La dystopie est un genre littéraire qui a longtemps habité nos bibliothèques. Pourtant, depuis quelques années, des livres comme Hunger Games, Divergente ou Altered Carbon s'imposent dans nos librairies. À l'Escale du Livre de Bordeaux, Vincent Villeminot et Patrice Franceschi débattent et comparent leurs œuvres dystopiques, Pluie et Dernières Nouvelles du Futur. Pour nous éclairer, Vincent Villeminot nous donne sa vision de la dystopie. Pourquoi est-ce qu'on écrit des dystopies pour parler du monde? Des gens qui pensent que si on écrit des dystopies et si elles sont aussi à la mode aujourd'hui, c'est pour nous persuader que ça pourrait être encore pire. Et pour nous rassurer sur le présent, c'est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. C'est possible aussi que ça flatte le pessimisme général. C'est possible aussi que ça nourrisse une forme d'esprit de résistance, de se dire l'individu sera toujours plus fort que le système. Du côté des exposants, voici ce qu'en pense Léo, libraire de la zone du dehors, spécialisé dans la SF et le fantastique. Ça représente certainement une inquiétude de tout le monde. La littérature, et encore plus quand elle s'adresse à la jeunesse, elle sert à éveiller les consciences, enfin, ça a toujours été le cas. La nouvelle génération, avide de dystopie, aime envisager un futur alternatif. Cette jeune cible de la littérature réinvente les thèmes de nos bibliothèques.